Ouais, ouais. Alright, fait que Josh, on est ici à Bromont, tu s'en vas faire un bon entraînement cet après-midi. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, là, juste pour t'introduire, là, dans le fond, t'es un jeune coureur, seulement 19 ans, ça fait pas si longtemps que ça là, que t'as commencé à courir, mais tu montres déjà des résultats très prometteurs là, avec tes entraînements et les quelques compétitions que t'as faites, comme le Bromont Ultra 25 km où t'as fini deuxième l'année passée. Fait que pour commencer, peux-tu justement parler de comment t'as découvert la course en sentier? Si je me trompe pas, c'était pendant la pandémie? Ouais, dans le fond, avant je suis au hockey, puis pendant la pandémie, ben je me cherchais quelque chose à faire. Puis à un moment donné, dans la rue, j'ai vu un chandail du club de trail de Bromont. Fait que j'ai dit, hey, ça a l'air cool. Fait que j'ai contacté l'organisatrice. Puis après ça, elle m'a dit, ouais, tu peux venir. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai fait quelques mois avec eux autres. Puis après ça, il y a les collègues de Daniel Otto qui m'a présenté à Elliott Cardin. Puis là, ça, c'est vers décembre. J'ai commencé vers août 2020. Après ça, tranquillement, mettons deux sorties par semaine. Puis après ça, j'ai rencontré Elliott décembre 2020. Puis depuis ce temps-là, ben, je crois avec Elliott. Ça, parce que t'as commencé vraiment rapidement. Là, moi, je me rappelle, la première fois que je t'ai rencontré, je pense qu'on avait fait comme une sortie de comme 37 km. Ça faisait juste comme quelques mois que t'avais commencé à courir. Là. Fait que c'est une progression très, très rapide. Fait que juste aujourd'hui, t'as envie de faire un gros entraînement. Fait que peux-tu justement te présenter, là, c'est quoi le training? On va essayer de faire la prétentieuse de la vie tendance, c'est une classique à Bromont. Mmh. C'est Ryan Atkins qui a le record. Là. Je vais essayer, là. Je viens juste de sortir d'une grosse journée de construction. Fait que les jambes sont un peu toastées, mais on va essayer de battre le record de Ryan. Puis après ça, on va essayer de plancher après ça la descente de la lieutenant Dan. C'est ça. Et ça, puis tu sais, cette montée-là, la prétentieuse, là, c'est. Ben, en fait, tu longes la piste de ski là, qu'on voit derrière là. Mais c'est fait que c'est aussi à pic que la piste de ski, mais comme 10 000 fois plus technique. Ouais, ouais. Fait que là, tu fais la montée à bloc, prends une pause en haut, puis là, descente à bloc. Ouais, on que je vais essayer de te suivre, mais que je suis pas sûr. Fait que, on va essayer de pas se blesser. Ouais, non, c'est ça. Exact. Cool. Fait que, m'a commencé un peu plus en haut. Good. Puis il m'a filmé pour le départ. Ouais, fait qu'on voit Josh qui s'en vient. Même pas 100 mètres du départ. Probablement la section la plus courable de toute la prétentieuse. Parce que là, on s'en va entrer dans le sentier qui est très technique et très à pic. Coin, 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 à droite, c'est à gauche, excuse. Oh.
Allez, allez, comment, comment? Allez, est-ce qu'on accélère ici? Accélère, comment, comment? Allez, allez, on court jusqu'au bout, comment, comment? C'est assez. Good job. Pas facile. Woo! That's it, man. Vélo de montagne noir juste là.
Oh mais non! Une fois je vais me casser la gueule! Ah c'était... Ah c'était bon ça! Oh man! On a parti aussi, il y avait de l'eau là! Ouais! Oh my god! Ouais c'était sketch là! Ouais fait que... 9 sur 10! Comment tu évaluerais ton entraînement? Mon entraînement en général là? Ben aujourd'hui là! Aujourd'hui? Un 9 là! Dans la montée j'ai donné tout ce que j'avais! Ouais! Dans la descente on s'est perdu au début! Ouais! Après ça j'essaie d'aller plus vite! Il y avait un peu d'eau, c'est rush, j'ai fait me casser la gueule une deux fois là. Mais sinon, on va avoir un 9. Nice. Puis là, toi, t'étudies dans le fond pour être dans l'armée. Ouais, je suis ici au collège militaire Royal du Canada à Kingston pour devenir officier d'infanterie. Ok. J'étais à ma première année, il me reste encore 3 ans. Ok. Fait que là, je sais que ton horaire il est pas mal chargé à cause de ça. Ouais. Mais. Tu as le QMT 25 peut-être au calendrier, t'as-tu ouais. d'autres courses que tu veux faire cette année?